Le soleil accompagne les coureurs de cette 18e édition de la Flèche Brabançonne le 2 avril 1978. Comme d'habitude, le départ a été donné à Rode-Saint-Genèse. On a eu encore des attaques pour animer le début de la course, mais on va voir surtout la formation CNA et Ishberg qui vont donc neutraliser ces attaques. On va voir ici sur ce secteur pavé, eh bien on reste ensemble parce que les choses vont vraiment se décanter sur le circuit final à faire 11 fois autour de la célèbre montée du Halsenberg avec ses pavés. Et bien sûr là, la course va exploser. On va assister à des attaques, on pense notamment à Ludo et Willem Peeters, mais aussi au champion de Belgique que vous voyez là, Michel Pollentier. Et on va voir que lors du dernier tour de circuit, deux coureurs vont se dégager, puis encore deux autres. On va voir deux coureurs de la formation Ishberg à l'avant de la course. Il y a toujours Pollentier, mais il y a aussi Marcel Lorenz, vainqueur la saison précédente du Tour du Limbourg. Et ce dernier va profiter de la montée du Halsenberg pour distancer ses compagnons d'échappée et résister au retour du double vainqueur de l'épreuve, Herman Van Springel, pour donc s'imposer devant Van Springel. Donc victoire de Marcel Lorenz et troisième place pour Ludo Peeters devant Jacques Martin. Ciao tout le monde.